Oui, bonjour Swan. Si, quelqu'un est là, c'est bien. Je ne suis pas tout seul, ça rassure. Bonjour Émilie, bonjour Alan. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ce nouvel épisode avec Marc qui apparaît du Club Niveau. d'Excellence. Ça va Marc, tu es en forme? Impeccable, oui, pleine forme. Bon, bah super. C'est un nouvel épisode important. Hein, c'est un nouvel épisode très important qui, pour moi, est un peu la synthèse de tout ce qu'on a vécu cette année. Une année où on sait qu'il faut absolument être visible. Bonjour Céline, bonjour Alain. Nisrine, Serge, François, bonjour à tous. On sait que c'est important d'être visible, remarqué. Bonjour Sophie, remarquable au travers de son agence hein, locale, voilà, d'être implantée, d'être toujours plus visible. Bonjour Nelson, mais qu'il fallait absolument être visible aussi grâce au digital. C'est vrai que moi je pense qu'on a toutes, bonjour Sandra, bonjour Julia, on a tous les bonnes idées ou les réponses. En tout cas, on sait à peu près ce qu'on doit faire dans le digital. Hein, on en parlait, Marc. On connaît YouTube, on connaît tous Facebook. Qui ne connaît pas LinkedIn? Voilà, on connaît toutes les recettes, mais est-ce qu'on applique toutes les bonnes recettes pour être extra visible en 2020 et bientôt en 2021? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va apporter des réponses. Marc, c'est toi qui vas nous apporter les réponses. 12 réponses, 12 clés. Hein? Alors, qui tu es, Marc? Mais tout le monde te connaît. Marc, on a la chance. Qui es-tu, Marc? Tu connais le métier de l'agent immobilier, ça c'est sûr. On organise tous les ans le palmarès ensemble avec Vitrine Média. C'est toi qui l'as créé il y a maintenant 7 ans, c'est ça? Et le palmarès, ça récompense quoi? Les plus belles agences, celles qui réussissent, celles qui se distinguent et qui réussissent aussi au travers du digital. Donc ça, c'est important. Cette année, on a eu de beaux gagnants, de très beaux gagnants, des lauréats qui mettent en avant tout ce que le digital permet. Et ça, c'est vrai que ça a été décisif pour nous dans notre décision, en tout cas, dans le poids hein, de ce qui s'est. En tout cas, les gagnants ont fait, vraiment, ont mis le digital en avant. Ils avaient l'obligation, puisque c'est vrai que c'est une année particulière, mais qui va, à mon avis, qui nous oblige, en tout cas, à repenser notre business et comment travaillent les agents immobiliers. Alors, Marc, ça fait 20 ans que tu connais le métier d'agent immobilier. Tu as un beau réseau que tu animes près de 200 agences qui te posent des questions que tu formes. Donc voilà, je pense que tu es la personne pour nous parfaite pour nous parler du digital et des clés effectivement pour une agence qui est deux fois plus visible. Donc une agence qui est visible localement au travers de son agence, mais aussi visible grâce aux outils digitales. Donc ça, c'est important. C'est une conférence importante, Marc. Alors, oui, je peux être d'abord. Il y en a du monde, hein? André est là, Alexandre, bonjour Yelda, Anna Valide, Lucas, Nelson, Pascal, il y en a du monde, il y en a du monde. C'est bien, ça fait plaisir. Super. Marc, Merci alors. Thibault pour cette introduction. Je pense que je voudrais dire en introduction la chose suivante. Le digital n'est pas une fin, le digital est un outil pour être visible. Parle fort, hein, Marc, on t'entend bien, rapproche-toi un petit peu parce que parle fort, on t'entend bien. Le digital n'est qu'un outil pour être plus visible. Oui. Le but, ce n'est pas le digital. Le but, c'est d'utiliser le digital pour être plus visible et donc avoir plus de clients et donc avoir plus de business. Donc vraiment, il faut voir ça Plus comme fort le son, Marc. Il faut que tu augmentes ton son. A priori, on entend mal. Il faut que tu mettes tout à fond. ça. Que tu colles le visage sur l'écran. À mon avis, ça va marcher. Alors, Ah, bien. Top là, Marc, Lucas, on t'entend. et on va donc démarrer cette présentation Ouais, on peut y aller. qui va être donc autour de 12 points qui vont être abordés. L'optimisation de vos annonces immobilières, les panneaux, comment revisiter les panneaux, les flyers qu'on distribue dans les boîtes aux lettres, la vitrine, le site web de l'agence, la page Facebook de l'agence, Google My Business, le référencement Google, les Google Ads, donc la publicité sur Google, YouTube, gros média, WhatsApp Business, Instagram, LinkedIn, newsletter pour finir, et puis quelques petites, en conclusion, on verra un petit peu quels sont les avantages. Et si on devait en choisir trois, quels seraient les trois outils à retenir absolument, impérativement, en Oui, parce que l'objectif, c'est 2020? que tous enfin, ceux qui nous suivent aujourd'hui, tous nos amis qui nous suivent aujourd'hui repartent avec trois conseils, parce que voilà, il y a beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de sujets, ça va être passé assez rapidement quand même, c'est une heure, mais qu'on retienne trois clés, voilà, pour effectivement mettre en application bah, dès la semaine prochaine ou dès cette semaine, effectivement. Exactement. Alors, donc ça, on va me présenter. Alors, les pièges classiques, c'est que attendre que les clients le réclament et donc ne pas faire plein de choses juste parce qu'on attend que les clients le réclament. C'est quand même plus sympa de prendre l'initiative et de faire les choses avant qu'on vous les réclame. L'autre piège classique, c'est qu'on n'aime pas soi-même Facebook et on se dit, bah, comme moi, j'aime pas Facebook, j'ai pas envie de faire du Facebook. Ouais, mais sauf que si 80% de vos clients sont Facebook et aiment Facebook, ça vaut le coup d'y aller. Exactement.
Vous n'êtes pas comme tous, vos clients ne sont pas tous comme vous. Et donc, si vous avez beaucoup de clients qui sont différents et qui aiment Facebook, eh ben, il faut le faire, même si ce n'est pas dans votre nature, et même si vous ne feriez pas pour sur le plan privé. Oui. Et puis, le dernier piège, c'est j'en ai pas besoin parce que je m'en suis passé pendant 10 ans et j'ai de bons résultats. Bah, je vous rappelle que c'est ce que se sont dit Kodak, Nokia, Palm Pilot, BlackBerry, et vous savez ce qu'ils sont devenus. Non. On ne peut pas rester sur ses acquis. Aujourd'hui, le monde bouge, il faut aller de l'avant, innover et prendre les nouvelles innovations qui se présentent à nous sans tarder et avant les concurrents, c'est encore mieux. Alors, je vais parler surtout d'être visible des vendeurs, puisque de mon expérience, des agences que j'accompagne, j'en accompagne plusieurs centaines, le nerf de la guerre pour 95% des agents immobiliers, c'est les mandats de vente. Et ce sont les mandats qui attirent les acheteurs, donc ce qu'on veut, c'est les mandats. Ce qui m'intéresse donc, c'est d'être visible particulièrement auprès de la cible des vendeurs, propriétaires-vendeurs. Et les vendeurs, je vous rappelle, ils achètent non pas un produit matériel, mais un service immatériel. Et dans le marketing d'un service, on a trois piliers qu'on va utiliser. Les Américains ont résumé ça en 3 P. Premier P, c'est people, l'agent, l'équipe, son équipe. Deuxième P, process, c'est le plan d'action, les prestations. Et puis troisième P, physical evidence, ce sont les preuves, par exemple, les biens vendus ou les avis clients. Donc, je vais vous parler de ce, je vais essayer de parler de ça beaucoup et je vais vous aider à être visible de haute, notamment auprès des vendeurs, donc de communiquer sur votre service plus que sur vos produits. Et le piège classique, ben, c'est qu'on a une communication qui est trop orientée annonce et donc trop orientée acheteur, alors que notre priorité, ce sont les vendeurs. Mais si on dépense tout son budget communication sur des sites comme Se Loger, Le Bon Coin, Logic Immo, à vendre à louer et tout ça, et qu'on n'a plus d'argent pour le reste, ben, on rate tous les vendeurs. Donc, mais garder du budget pour les vendeurs, garder du temps pour les vendeurs. Les annonces, c'est bien, mais ça touche les acheteurs. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les vendeurs. Dépenser plus ou dépenser moins ou dépenser mieux. Ben, ne croyez pas que digital, ça veut dire dépenser plus. Ne croyez pas que les 12 outils dont on va parler aujourd'hui, ça veut dire dépenser plus d'argent. Ça peut vous faire économiser de l'argent. Et je vous cite ce témoignage de Stéphanie Delers, qui est dans mon réseau Property Partners depuis des années, et qui me disait le 13 septembre 2020, donc c'est cette année. J'ai réduit mes frais publicitaires de 40% en appliquant les conseils que vous allez voir ce soir. Donc, ne pensez pas que c'est forcément une surdépense. Ça peut être au contraire des économies et réaffecter du budget autrement, de manière plus efficace, plus efficiente. Des mots ou des vidéos. Eh ben, vous le devez le savoir aussi bien que moi, les gens lisent de moins en moins. C'est clair. La preuve, c'est qu'ils vous appellent et ils vous posent des questions alors que les réponses sont dans votre texte d'annonce. Ils n'ont pas lu les textes d'annonce. Ils lisent de moins en moins, ils n'aiment pas lire. Ils préfèrent 100 fois regarder des dessins ou des photos. Des dessins comme des plans, par exemple, ou des photos intérieur, extérieur. Ou encore mieux, des vidéos. Ils n'ont même pas besoin d'appuyer sur un bouton. Photo suivante, ça tourne tout seul. Ils sont là, ils sont dans leur canapé, dans leur fauteuil, et ils attendent, et ça se fait tout seul. Il y a même en vidéo, il y a le son, il y a l'audio, il y a l'image. La vidéo est le format préféré des internautes, mais aussi de Google et de Facebook. Et Facebook et Google sont deux acteurs dominants du web mondial. Donc, il faut mieux plaire à Facebook, il faut mieux plaire à Google. Et donc, pour plaire à ces deux acteurs incontournables du web, eh ben, faites des vidéos, c'est tout simple, c'est la recette gagnante. Facebook vous dit « j'aime les vidéos », faites des vidéos pour être bien sur Facebook. Google vous dit « j'adore les vidéos », faites des vidéos pour être bien sur Google. Bah, je pense que c'est clair, on est dans l'année des vidéos. Et Thibaut, il en sait quelque chose, il vend de plus en plus d'écrans vidéo, je crois, pour les vitrines. Eh ben... Exactement, exactement, c'est vrai. Mais on parlait beaucoup de photos il y a quelques années, hein, et on avait créé un premier porte-affiche qui portait cette photo, et tu étais le premier à nous dire « arrêtons les moches photos, il faut de belles photos ». Alors, ça marche toujours les belles photos, hein. Il faut continuer à faire de belles photos. Mais maintenant, il faut passer aux vidéos. C'est vrai que c'est nécessaire parce que la vidéo, c'est ce qui est regardé en ligne, sur le web, mais aussi dans les écrans maintenant en vitrine, effectivement. On est à l'époque de la vidéo, on est en ère de la vidéo. Alors, premier sujet, optimiser vos annonces immobilières sur les portails immobiliers. Très simple. Ben, les photos, on vient de le dire, photos de qualité, grand angle, HDR, staging, cadrage. Beaucoup de photos, 15 à 20 photos. Il y a trop souvent des annonces qui sont trop faibles en photo. Où il y a 5, 6, 7 photos, c'est largement insuffisant. Un avantage détaillé et complet, c'est synonyme d'un agent honnête. Un agent honnête, c'est un agent digne de confiance. Et pour qu'on vous donne un mandat exclusif, il faut qu'on fasse confiance.
Et la confiance, elle commence sur l'annonce. Une annonce détaillée avec 20 photos, c'est le signe d'une agence à qui on peut faire confiance. N'ayez pas peur des photos retouchées, on va en parler. N'ayez pas peur de la retouche photo. Alors, une étude a été faite en 2019 par Nodalview, qui est une application photo et visite virtuelle. Et ils ont comparé les performances des mêmes annonces pour les mêmes maisons, au même prix, sur le même site immobilier pendant les mêmes 2 mois. Ils ont fait ça pendant 2 mois. Donc, ils ont fait les mêmes annonces. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient pris des annonces qui étaient dans 2 agences concurrentes, même maison dans 2 agences concurrentes. Et les résultats sont édifiants. En ayant des photos de qualité professionnelle et vraiment qui respectaient un certain nombre de consignes et de considérations, les annonces étaient vues 3,88 fois plus. Donc, quasiment 4 fois plus de vues de vos annonces. Au même budget. Hein. Donc, la même annonce qui a coûté le même prix sur le site immobilier, le site d'annonce, l'une rapportée était vue 1800 fois, l'autre était vue 5184 fois. C'est énorme comme différence. Ça change tout, effectivement, ça change tout. Hein. On le voit. Hein. Ça change tout. Incroyable. C'est énorme. Pour faire un reportage photo pro, moi je fais des formations depuis 8 ans. Il faut sinon, au niveau matériel, avoir une lentille grand angle pour son téléphone, une application HDR pour son téléphone, Nodalview ou d'autres, il y a d'autres concurrents, ce n'est pas les seuls. Je vous dis sincèrement qu'on n'a pas besoin de faire appel à un photographe, on peut le faire soi-même si on est formé, qu'on a les bons outils. Les outils, ils sont à portée de votre main parce que les outils, c'est votre téléphone, quelques accessoires en plus, c'est très très simple. Voilà, voyez un exemple, la différence entre une photo amateur et une photo professionnelle. Voilà un exemple d'une photo qui va générer à droite 4 fois plus de vues que celle de gauche. C'est bien la même pièce. Alors, les retouches photos. Les retouches photos, il y a beaucoup de réserves, de réticences, de peurs, de freins par rapport aux retouches photos. On croit que c'est mensonger, on croit que c'est dangereux, on croit que ça coûte trop cher. On croit aussi qu'on peut les faire soi-même. Il faut que tu parles un peu plus fort. On t'entend, mais tu es un peu loin. Parfois, ça doit venir de ton ordinateur, peut-être. Ok, alors, les retouches photos, donc, on a parfois peur d'en faire. On croit que c'est risqué, on croit que c'est malhonnête. Et donc, on n'ose pas en faire. Et pourtant, l'expérience, c'est que c'est un bien. Ça aide énormément à vendre. On peut faire des retouches toutes simples. Par exemple, on remplace un ciel gris par un ciel bleu. On t'entend bien d'ailleurs quand tu es un peu plus loin. C'est paradoxal, Marc. Donc, on peut regarder, passer d'un ciel bleu à un ciel gris. Ouais. Ça ne coûte pas cher. Ça prend ça se fait en quelques heures. Comment on fait ça, Box Brony, c'est quoi? C'est un site web? C'est quoi? C'est une société? Comment on fait? Pose Brony, c'est le plus grand studio de retouche photo du monde. Ouais. Et donc, on dépose sa photo sur Box Brony et une heure après ou une journée après, on a la photo retouchée sans faire aucun effort. Voilà, donc je vais sur Box Brony, je dépose la photo pas retouchée à gauche et je l'ai retouchée pour 1,4 euros à droite, c'est ça? Ouais, exactement. Et ça peut-être arriver. 2 heures plus tard, tu auras la photo de droite que vous avez ici. Au même passage, on peut aussi regarder, changer l'herbe. Ils peuvent remettre une herbe bien verte. Ils peuvent couper. On peut transformer, donc mettre de l'herbe alors que ce n'était pas le cas. D'accord. Voilà, transformer ou même tu vois, couper l'herbe si elle est trop haute ou mettre de l'herbe verte quand elle est toute cramée. Et puis on peut aller plus loin, je ne sais pas vous, on peut leur demander aussi d'enlever ce qui encombre une pièce. Ici, vous voyez, on a nettoyé un garage. Et pour 7 euros, c'est un peu plus cher, mais pour 7 euros, on a le garage entièrement nettoyé. Ah oui, c'est incroyable. 7 euros. Et ça change tout et ça donne beaucoup plus envie. On voit qu'on peut mettre sa voiture dans le garage à droite. À gauche. Ça ne demande aucune compétence, on est d'accord. Tout le monde peut le faire. Je prends la photo de gauche, je l'envoie sur Box Brony, paf, ça revient à 7 euros. C'est ça? Exactement, ouais. Thibaut. Ça ne demande aucune compétence. On a juste créé un compte Box Brony. On va mettre par exemple 50 euros sur le compte. Et ensuite, on pourra commander des photos à hauteur de 50 euros à la carte. On peut aller plus loin. On peut aussi simuler des travaux. Là, j'ai mis un exemple immobilier, mais c'est un autre studio. Immobilier est un autre studio de retouche, un peu comme Box Brony. Là, vous voyez, on avait une photo d'ennemi. Approche-toi un tout petit peu, Marc, par rapport à l'écran. Tout petit peu, on va t'entendre un peu mieux. C'est bon. On avait une photo d'une pièce à rénover et on voit qu'elle est simulée, entièrement rénovée. La peinture est refaite, le sol est refait. J'ai une question parce que c'est vrai que moi, en tant que client, je me pose souvent la question, est-ce que c'est bien de faire ça? Enfin, en tant qu'agent immobilier, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt le dire? Est-ce qu'il ne faut pas dire simulation, en tout cas avertir le client? Qu'est-ce que tu en penses? Le dire, ça ne marche pas. Les gens, ils ne croient que ce qu'ils voient. Mais ce qu'on a fait ici, regardez, j'ai mis en rouge la mention sur la photo. Et j'ai mis en rouge aussi le fait que je mets les deux photos sur l'annonce. Donc, lorsque à cette technique-là, je mets dans mon annonce avec deux photos. La photo originale, non retouchée, la photo retouchée. Plus fort, Marc. Tu parles fort, Marc. C'est l'opéra, là. Il faut y aller, là. Parce que Nicole, elle t'entend pas bien. Donc, on y va. Hein.
Pardon. Je disais, sur la photo retouchée, j'indique bien sur la photo que c'était une photo retouchée. Photo retouchée. Et je mets dans l'annonce la photo non retouchée, que les gens comprennent le On le message. voit. Donc, si on trompe personne, on montre les deux. C'est ça, On hein? montre les deux. On montre les deux images sur On l'annonce. montre les deux images, très clair. C'est clair. Maintenant, on peut aussi simuler de l'ameublement. Donc, on peut partir d'une pièce vide, par exemple, et mettre des meubles dans une photo. Là, vous avez un bel exemple. Donc, un séjour à droite. T'entends bien la marque là. Là, tu as la position parfaite. Là, c'est le point G. Là, ça marche. Marc, ne bouge pas. Donc, vous voyez, à droite, on a un séjour meublé. On voit le canapé, on voit la télévision, on voit les meubles, on voit la bibliothèque. On se dit, Ouais. c'est sympa, c'est agréable. À gauche, on voit qu'une bête pièce. On voit trois murs. Ouais. On voit les parquets. On voit pas un salon. Ouais. Les gens, ils connectent pas, ils disent pas, ouais, c'est Non. sympa. Et Ah non, donc, ça donne pas envie là. On a envie d'aller à droite, mais à gauche, non. J'ai pas envie d'acheter, moi. on n'a pas envie. Non. Et là, on n'a pas menti. On a juste simulé un ameublement possible de la pièce. Et donc là, on mettra que la photo de droite dans l'annonce. Et puis, on peut combiner ces deux techniques. Ah, c'est bien là. Et On on est va bien là. changer les meubles. Oh. On va changer les meubles. On va pouvoir passer d'une photo avec des meubles anciens, des personnes qui ont 70 ans Ouais. et qui ont un goût un peu spécial, à part des meubles qui plaisent à tout le monde, qu'on trouve dans les magasins de décoration, d'ameublement actuel. Et regardez bien ce que j'ai mis ici sur l'annonce. Je mets la photo de droite sur l'annonce, et que celle de droite. Ouais. Mais j'envoie la photo de gauche par mail avant la visite. OK. Très important. Parce que je ne veux pas décevoir, je ne veux pas qu'il y ait une surprise le moment de la visite, et donc j'ai la surprise dans la boîte mail. Là, au Ah. fait, ça ressemble, c'est comme ça, en fait, en vrai. Quand vous allez le visiter, ça ressemblera plutôt à ça. Parce que les meubles ne sont pas ceux qu'on avait sur l'annonce. Et donc les gens ne sont pas trompés, parce qu'avant de visiter, avant de se déplacer, ils ont l'information sur l'état réel de l'ameublement de la pièce. Oui. Mais on les a séduits, on les a attirés avec une annonce séduisante, avec des meubles qui correspondent à leur goût, qui correspondent au goût Mais des ça, gens. c'est après. Non, ce que tu fais, c'est que tu envoies les photos, la photo normale, enfin, ce qui est à gauche avant la visite, c'est ça? Mais je mets la photo droite sur l'annonce. Donc j'attire, j'ai une annonce avec une belle photo. Ouais. Les gens me contactent, on prend Oui. rendez-vous. Les gens voient par mail la photo de gauche. OK. Comme ça, ils ont la réalité. Et comme ça, ils arrivent en visite, ils savent exactement à quoi s'attendre. Mais ils Claire. savent que, grâce à la photo retouchée, que ça peut être sympa. Une fois qu'ils auraient mis des meubles sympas dans la pièce, ça peut être un beau On a séjour. une question de Christelle. Alors, qui modifie la photo, le prestataire ou l'agent immobilier? Alors, Donc, la photo de droite était faite par Box Brownie. Hein, donc, toujours Box Brownie, très bien. Les Américains, non? C'est les Américains, ça, non? C'est pas Australien. Australien, tu Australien, c'est encore mieux. vois. Je vois, c'est mieux, mais c'est Australien. Les Australiens, Christelle. C'est bien les Australiens, ça change un peu. Un dernier exemple, regardez, un exemple Alors, assez édifiant. c'est On un a fait. peu chargé à gauche quand même, hein. C'est un peu Ah chargé. oui, tu m'étonnes, c'est chargé. Voilà. Donc, cette photo de droite, Ouais. retouchée, a permis de vendre cette maison en seulement une semaine. Eh oui. Et la maison a été vendue 17 000 euros au-dessus du prix que le vendeur attendait. Avec la technique que je viens de Donc, dire. non seulement ça a vendu très vite, mais en plus Cher. cher que prévu. Plus cher que ce que le vendeur voulait. Donc, Incroyable. on a un vendeur qui est hyper content, quoi. Il dit, on a vendu 17 000 euros de plus que ce que je pense que je voulais. En une semaine, il est super content. Ah oui. Et ça a coûté 35 euros. Incroyable. 35 euros, c'est pas assez cher. Et Marc, on a une question de Yelda. On pourrait avoir le site concernant la simulation de travaux. On a vu des simulations de travaux avant. C'était qui? Oui, c'était immobilier.fr. On peut le marquer sur le site. Immobilier.fr. Donc, Marqué. Charlotte, immobilier.fr, effectivement, dans les commentaires, comme ça, on aura Pardon, effectivement. c'est pas immobilier, c'est un E, pardon. C'est un E au début. Hein. Immobilier.fr. E-mobilier. Ah, e-mobilier.fr. Je Ok, corrige, voilà, j'ai pas indiqué. tenu ce truc-là. Voilà. Immobilier qu'un E.fr. Très clair. Voilà. Faut pas avoir peur de la retouche photo. Quand on le fait intelligemment, qu'on envoie par mail, par exemple, des vraies photos, qu'on met dans l'annonce la vraie photo, la photo retouchée. Rapproche-toi, Marc. Tu t'éloignes trop, là. Faut te rapprocher près de l'écran. Donc, n'ayez pas peur, pardon, n'ayez pas peur de faire des retouches photos. Ça a des résultats impressionnants sur vos annonces. Alors, dans vos annonces, peut être utile de parler de vos services dans vos annonces, dans les photos de l'annonce, et donc de glisser dans l'annonce, dans la photo, ce genre de visuel qui dit qu'on est équipé en plan, photo, visite virtuelle, etc. Ça, tu le mets où? Tu le mets à la fin des photos d'un bien, c'est ça? La fin, une fois que j'ai mis mes 15 photos de la maison, je mets cette série de photos. Et Après les pourquoi photos. tu le fais? Ça permet quoi? Ça permet de valoriser l'agence, c'est ça? C'est ça l'idée? Valoriser, et puis donner envie aux vendeurs
qui sont sous annonce, dire aux vendeurs, on a un service complet. On a un service complet, on est digitalisé, on est moderne, on est… On montre sa compétence dans le digital aux vendeurs, c'est très clair. On montre sa compétence aux vendeurs. Très clair. Puisque on sait très bien que les vendeurs regardent aussi les annonces immobilières pour savoir ce qu'il y a sur le marché et à combien se placer. Donc les vendeurs, au moment où ils mettent en vente, généralement, ils regardent ce qui se fait sur leur secteur, ils regardent les sites d'annonces et donc ils voient des annonces. Très clair. Et puis, on va aussi parler, on va mettre une autre photo qui va parler de nos avis clients positifs dans nos annonces. Et donc, on va mettre ce genre de visuel. Vous voyez, on a ici repris les avis de Google et de Facebook en particulier. C'est vrai que ça coûte rien de rajouter une image qui va effectivement parler d'avis clients, alors qu'en fait, voilà, ça, alors, en plus, on pourrait avoir une image figée. C'est une image figée, c'est même pas dynamique. Mais ça intéresse les vendeurs, clairement les vendeurs. Puis, dernier point qui intéresse les vendeurs, parce que regardez, je vous ai dit les 3 P. Les preuves, c'est les avis clients. Alors, en plus, on a les avis clients. Il y a des avis clients, il n'y a pas que chez Google. Hein. On a aussi Opinion System qui propose des avis clients. Enfin, il y a plein de sociétés qui font ça en France et qui font ça très bien. Meilleurs agents des avis clients. Meilleurs agents aussi le fait, effectivement. Il y a d'autres sociétés encore qui proposent des avis, bien sûr. Et dernier visuel, regardez, je mets un visuel avec mon équipe à la fin de mon annonce. Surtout ça, si bien. On est 5, 6, 7, 8, ben, sympa, comme ça, ils voient à qui ils ont affaire s'ils passent. S'ils veulent une agence compétente pour vendre leur maison. Donc on parle. Oui, ça c'est se montrer, en tant qu'agent immobilier, montrer son équipe, donner envie de travailler avec l'agence. Les agents immobiliers, ça, vous savez tous que c'est un métier humain, c'est un métier de relations humaines. Et donc, bah, montrez-vous. C'est vous qui vous. Ils achètent vous en fait. Ils achètent l'équipe. Oui. Alors, est-ce que si on n'a pas de questions, on va passer au deuxième sujet des panneaux. Alors, il y a des questions. Déjà, on a vu pas mal de choses. Hein. Rien que là, on a vu quand même beaucoup de choses. Alors, je pense que beaucoup de gens le savent hein, et connaissent un peu toutes ces astuces ou ces techniques, mais ça fait du bien de les rappeler quand même. Voilà. A priori, ça n'a pas trop de questions pour l'instant. S'il y en a, effectivement, ça intéresse, on s'arrêtera et on y reviendra. Alors, des panneaux qui se remarquent, et ben, voilà, je vais vous donner deux petites astuces. C'est très simple. Deux astuces pour les panneaux qui se remarquent. Et ben, le portrait photo d'une personne qui s'occupe de cette maison. C'est un côté américain, mais c'est un côté remarquable parce que c'est encore très peu développé en France ou en Belgique. Et puis le QR code. Le QR code, c'est quand même un outil magique qui permet à n'importe qui a son téléphone de le sortir et de scanner et d'arriver directement sur le détail complet de l'annonce. Les 12 photos, le plan, la visite virtuelle, les détails, les descriptifs en un seul clic. Donc QR code, ça fonctionne très bien de mieux en mieux. C'est de plus en plus, on va dire, démocratisé. Et les portraits, eh ben, je vais vous dire une chose, on en voit peu, mais quand on les voit, on les remarque. Oui. C'est remarquable, parce que c'est rare. Donc la photo de l'agent, un peu à l'américaine, c'est le personal branding, on se met en avant, on n'hésite plus à le faire, c'est maintenant. Voilà. Ah, c'est maintenant, je pense qu'on voit de plus en plus fleurir en France, en Belgique. Et sincèrement, les panneaux avec des portraits photos sont vus 10 fois plus que les autres, parce qu'ils se démarquent, ils se dénotent. Oui. Et parce qu'on se connecte mieux en tant qu'humain à une personne, à un portrait qu'à un logo. Oui. Parle d'un logo, bon, ça nous connaît, ça nous parle moins. Donc, à vous de penser à ça. Alors, les flyers. Les flyers 2.0. Alors, c'est pas des flyers classiques, hein, c'est des flyers 2.0. Les flyers, ça reste un média utilisé par beaucoup d'industries. On en a encore plein dans notre boîte aux lettres. Et donc, si on a autant dans notre boîte aux lettres, c'est que ça marche. Parce que si ça marchait plus, ils auraient longtemps qu'on n'en aurait plus. Hein. Alors, une façon de rendre votre QR code, votre flyer 2.0, c'est de mettre justement un QR code. Vous attirez un message simple, et après, vous voulez plus d'infos, un QR code, et là, on a une petite vidéo d'une minute qui donne plus d'infos. Donc, le QR code, ça rend votre flyer digital. Trois ingrédients, montrer l'équipe, parler des avis clients et parler du service. Soignez la qualité. Par exemple, mettez un papier épais, 250 grammes, une belle mise en page. Belle finition, parce que votre flyer, il parle de vous. Si vous mettez un flyer d'amateur, vous faites amateur. Oui. Un flyer de mauvaise qualité, vous faites mauvaise qualité. Et il y en a beaucoup encore. Hein. Moi, je reçois beaucoup de flyers à la maison. Il y a encore du travail. On peut encore faire mieux. Pas de la qualité, effectivement. Et maintenant, quand Carrefour ou Auchan fait des magazines, c'est la grande distribution. Ils font c'est du papier super léger, c'est la mauvaise qualité, mais ils vendent du low cost. Mais quand nous, on fait un flyer, on vend des commissions à 8 000 euros, à 10 000 euros, à 12 000 euros, on ne peut pas faire ça. On ne joue pas à la catégorie de Carrefour, de Auchan. Oui, c'est aussi l'image de l'agence. On vend aujourd'hui le bien immobilier d'un particulier. Et donc, c'est vrai que si on envoie un flyer d'une qualité
voilà, qui laisse à désirer. C'est pas un bon message en tout cas qu'on fait passer auprès du client qui va lui remettre sa maison à la vente. C'est vrai que je pense qu'il faut effectivement investir un peu dans un flyer 2.0, un peu plus travaillé, un peu plus qualitatif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de noter qu'avec toutes les imprimeurs online, j'ai mis un exemple ici, on a des impressions rapides et moins coûteuses qu'il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup moins coûteux de faire un flyer en 10 000 exemplaires que ça l'était il y a 10 ans, grâce à tous ces imprimeurs online qui se tirent la prix, qui se bagarrent sur les prix. Donc on a des super tarifs d'impression. Donc vraiment. Oui, ça ne coûte pas très cher. Voilà, ça serait dommage de s'en priver. Très clair. Et c'est pas plus cher de faire un beau qu'un moche. Hein. Donc, pensez à ça. Donc là, vous avez mis un exemple, vous voyez, d'un flyer qui respecte un petit peu les indications. On oui. voit Thierry, on voit sa tête, on voit des avis des clients contents, et puis on voit les services qui sont résumés en images, et puis on voit un petit QR code pour voir nos services en vidéo, et puis on voit une image de Paris qui nous dit qu'on est bien sur Paris. Donc voilà. On est Alors, bien, on a du service, on a la tête de Valérie, et on a des avis des clients, des témoignages clients. Donc on a vraiment. Alors. Deux remarques, je te coupe Marc, excuse-moi, parce que les priorités aux questions toujours chez Vitrimédia. Alors, comment créer un QR code? Alors, moi, je pense qu'il faut. Alors, je pense qu'il y a plein de moyens de créer un QR code. Il suffit de taper sur Internet comment créer un QR code et vous allez le trouver. Mais la vraie bonne chose à faire, c'est qu'il y a des agences de communication qui sont là pour ça aussi. Parfois, il faut se faire aider. Il y a des agences de communication comme chez nous, hein, comme chez Vitrimédia, on a une agence de communication qui permet de créer des QR codes et des flyers et du print, hein, véritablement. Et puis après, il y a X agences de communication qui sont capables de vous proposer ces services. Mais je pense que parfois, il est important, moi, c'est le conseil que je donne, de passer par des professionnels parce que la communication, ça ne s'invente pas. Et je pense que c'est important. Voilà, il y a des professionnels qui accompagnent l'agence sur la communication. Moi, je dis que ça vaut le coup d'investir et de se faire conseiller et de se faire aider. On ne peut pas faire tous les métiers. Un agent immobilier, pour moi, il est là pour aller faire son métier. Et c'est vrai que sur le métier de communication, il faut se faire aider parfois. Donc oui, générer automatiquement des QR codes, mais aussi se faire aider. C'est important. Je vois sur le chat, il y a une question et réponse. Effectivement, ouais. Les flyers sont interdits au 1er janvier 2021 uniquement dans les boîtes aux lettres où il y a écrit « Stop pub ». C'est pas toutes les boîtes. Hein. C'est que dans les boîtes où il y a écrit « Stop pub ». Donc, on aura le droit de mettre des flyers dans les boîtes où il n'y a pas écrit, pas de pub. On a eu cette question lors d'une précédente, effectivement, au sein club. Il y a 2 semaines, effectivement, avec Paolo, oui. Je crois. Et donc, oui. C'est abordé. Il y a même des logiciels immobiliers qui vous font les QR codes automatiquement. Donc, il y a certains logiciels immobiliers, je ne sais pas lequel vous utilisez, qui font directement leur QR code. Donc, il n'y a même pas besoin de chercher ailleurs. En tout cas, c'est gratuit, c'est facile à trouver. Et c'est utile de mettre ces QR codes. Alors, une vitrine tournée vers les vendeurs. Alors, ça, c'est le sujet de Vitrine Média, mais je vais en parler un petit peu. Pardon, qu'est-ce qui se passe là? Alors, oui. Alors, une vitrine, alors oui. C'est important. Oui, là, on parle sur la vitrine. On parle sur l'agence, effectivement. L'agence, comme elle voit aujourd'hui, se mettre en avant. Vous êtes nombreux à avoir une vitrine. Vous êtes oui. tous à avoir une vitrine. Vous êtes nombreux à avoir des vitrines. Et la vitrine, ça reste un outil de communication important, utile, énigmatique, emblématique de l'agence. Et dans cette vitrine, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'avoir des annonces classiques avec des belles photos, évidemment. Oui. Et puis, on va essayer d'avoir un écran vidéo, je l'ai dit tout à l'heure, un écran vidéo. Et dans la vidéo, on va plutôt axer sur les vendeurs, sur les services, sur l'équipe, sur les avis clients. On va plutôt utiliser la vidéo pour vendre l'agence. Oui. Les affiches, c'est-à-dire les maisons, on va plutôt utiliser la vidéo pour vendre l'agence. Les services, nos services en vidéo, l'équipe en vidéo, les avis clients en vidéo. Ça peut vraiment… c'est bien d'avoir les deux. C'est pas très compliqué, c'est pas très cher d'avoir une vidéo. Parce que bon, ça sera vite rentabilisé. Et puis l'écran vidéo, vous allez l'utiliser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et on s'arrête devant l'agence, on s'arrête. Ça attire l'attention. Ça change tout par rapport à juste du statique. En tout cas, il faut exploiter la compétence de l'écran vidéo. C'est-à-dire qu'à droite, vous avez les porte-affiches classiques avec les annonces. On va mettre des mandats parce que c'est normal et parce que culturellement, c'est installé. On a besoin de voir des mandats. On a besoin de passer devant une vitrine et voir les mandats. C'est important. Et puis, la vidéo, elle est là pour donner une dynamique. Donc, on peut mettre un très beau bien qu'on a ou sur lequel on a une 360 degrés ou sur lequel on a une belle vidéo d'un très beau bien. C'est pas forcément la multiplicité qui va compter. C'est vraiment… utiliser la vidéo pour ce qu'elle apporte, donc mettre en avant, oui, les talents, les métiers de l'agence, les spécificités. Tu l'as mis effectivement tous les services ici, tu les as indiqués. Vraiment utiliser la vidéo pour ce qu'elle apporte. C'est vraiment important la complémentarité de l'affichage dynamique et puis lumineux, effectivement. Alors, je veux dire un petit mot, c'est que si vous utilisez votre écran vidéo en mettant que des affiches statiques qui passent une après les autres, on a l'impression que c'est statique en fait. Parce que pendant 10 secondes, c'est statique, et puis après, ça bouge tout d'un coup et c'est statique. Une vidéo, ça change à chaque seconde. Quoi. Et c'est là qu'on crée l'effet vidéo. Oui. Sinon, c'est
on avait une affiche statique qui tout d'un coup bouge, c'est pas pareil. Non, une vraie vidéo, c'est une vraie vidéo qui change chaque seconde. Ça va attirer l'attention des gens en voiture, à pied, en vélo. Ils vont se dire, tiens, un truc, il se passe quelque chose là, c'est dynamique. Et ça donne un côté dynamique à l'agence. Voilà. Une vidéo, ça donne un côté dynamique à toute l'agence. On dit, voilà, une agence qui bouge, qui avance, qui fait des choses, qui vend. C'est pas, voilà. Donc, c'est un super message à donner à vos. Donc, on en a parlé. Si on crée du contenu pour le mettre sur le web, on peut aussi utiliser ce contenu et le mettre dans la vitrine. Aujourd'hui, une vitrine, ça marche. C'est encore très important. C'est un vrai outil de travail. On en a parlé ces derniers temps. C'est un outil de travail pour communiquer. Donc, vraiment, la vidéo, créer de la vidéo. Il y a des agences pour ça. On en fait aussi chez Vitrine Média. Voilà, créer des vidéos pour avoir du contenu, c'est capital pour attirer des clients, de nouveaux clients. Attirer l'attention, c'est capital. Alors, sur vos affiches vitrine, moi, je vous conseille de mettre deux ingrédients. Un QR code, encore une fois, pour qu'on ait directement le détail de l'annonce complet. Et puis, un portrait photo pour qu'on ait plus facile d'appeler le numéro de téléphone qui est sur la fiche, qu'on se dise, bon, OK, on sait qu'on appelle le Thibault, on sait qu'on appelle Virginie. C'est très efficace. Hein. C'est très efficace. Il y a le téléphone, il y a le nom. Et ça, on le voit jamais. Moi, je ne le vois jamais. Jamais. On le voit très rarement, effectivement. Mais pourtant, c'est très simple et ça paraît logique. Oui. Voilà. Romain Cartier en parlait, je me souviens, il y a quelques mois. C'est logique. Il y a une personne qui s'occupe des visites de cette maison, ben on met sa photo, son numéro de portable et on va l'appeler plus facilement. Puis ça fait la pub pour l'immobilier. Ça fait que si on vous voit dans la vitrine, on vous reconnaîtra dans la rue plus facilement. Et peut-être qu'on vous arrêtera en disant, bah, tiens, au fait, je crois que c'est vous qui êtes l'agent immobilier qui travaille chez un tel. Et ben justement, ça tombe bien parce que j'ai un projet de vente. Il faut que les gens vous connaissent en tant qu'agent immobilier. Ils vont reconnaître. Très clairement. Le QR code, c'est quoi, Marc? Le QR code, si on scanne le QR code, on va sur l'annonce complète sur le site. Très bien. Photos, les plans, la visite virtuelle, le détail, voilà, le détail de l'annonce directement. Pour en savoir plus, c'est un peu un moyen d'en savoir plus. On a d'abord cette annonce, et puis si on veut en savoir plus, eh bien, on va effectivement passer le QR code et puis emporter avec soi sur son téléphone portable, effectivement, l'annonce en tant que telle. On aura d'ailleurs des services sur le sujet. Une annonce fictive, Stéphane. À 13h. Stéphane, mais Stéphane, elle a fait des bonnes affaires, hein, Marc. Hein, je veux dire, voilà. C'est pas à Strasbourg. Ça, c'est un bon agent immobilier. un petit tot. On ne met pas un QR code vers la page d'accueil du site. Ça, ce serait pas du tout ergonomique. On met un QR code qui mène directement sur l'annonce détaillée. Sur l'annonce, hein, directement. Pas vers le site, vers l'annonce en direct, détaillée. Alors, site web. Maintenant, parlons du site web. Le nerf de la guerre de la stratégie digitale de l'agence, le site web de l'agence. Alors là, on va penser à nos vendeurs. Donc, on va penser à parler des avis clients. On va parler de son équipe. Rapproche-toi, Marc. On t'entend bien. On pensait à parler de vos avis clients, de votre équipe. Oui. Votre service, si possible en vidéo, de vos vendus, de vos références de vente réalisées. Donc, il y a une rubrique vendue par l'agence. Et des annonces qui soient complètes, modernes, avec par exemple de la visite virtuelle et de la vidéo. Et il y a un site rapide parce qu'il y a une chose qu'on sous-estime, c'est l'influence de la rapidité d'un site internet sur le référencement Google et aussi sur les clients. Si votre site internet, au bout de 5 secondes, sur mon téléphone portable, est toujours une page blanche, eh ben, je vais abandonner ma recherche. Donc, ça va être rapide. Et puis, un site sécurisé avec une URL HTTPS, ça, c'est aujourd'hui quelque chose de très courant maintenant et qui est important. C'est demandé par un client. Quelques exemples, comme ça, vous pourrez aller voir par la suite de cette conférence, vous pourrez voir quelques exemples de sites que moi, je trouve bien, à la fois en France et en Belgique. Ils sont ergonomiques, ils sont rapides, ils sont visuels, ils sont simples. On va copier les sites dans la. Voilà. Donc, ça, c'est 5 exemples pour vous inspirer. On me demande souvent, tiens, donne-moi des exemples de sites internet qui, selon toi, respectent un petit peu ces différentes choses. Voilà. Donc, vous avez les exemples dans le chat, merci. Merci d'avoir mis ça sur le chat. Donc, voilà des exemples pour vous inspirer et essayer de faire ce genre de technique. Alors Facebook, bah, c'est un gros support aujourd'hui pour l'agent immobilier. Alors, comment ça marche? Explique-nous, Marc, parce qu'on connaît tous Facebook, effectivement, mais est-ce qu'on utilise Facebook comme il se doit? Voilà, c'est la question. On va parler, je vais vous dire. Donc, moi, je vais vous donner des idées de contenu qui sont très simples, qui sont applicables tout de suite par tous demain. Parler des biens vendus, des ventes réussies. Donc, parler de vos ventes réussies. On vient de finaliser la vente de cette maison. Ça s'est fait on a mis 14 jours pour la vendre, on a mis 22 jours pour la vendre. Voilà ce qu'on disent les clients. Voilà la tête de la maison, elle a été vendue sur votre secteur. Donc, parlez de vos réussites. Parlez des réussites, clair. Parlez de vos clients, des témoignages de vos clients. Remettez sur Facebook les témoignages de vos clients. Les témoignages de clients.
Donc, par exemple, si vous utilisez Opinion System, bah, recopier Opinion System dans Facebook, vous dites, voilà, on vous livre, on vous partage ce témoignage qu'on a reçu hier d'un client qui venait d'acheter chez nous, qui venait de vendre par notre agence. Très clair. Publiez ensuite vos annonces de vente, mais de manière intelligente, en avant-première. C'est-à-dire qu'il faut mettre sur Facebook l'annonce, mais avant qu'elle soit sur Le Bon Coin, avant qu'elle soit sur SeLoger, en avant-première. Vous pouvez même utiliser l'appellation qui s'appelle bientôt avant, bientôt en vente. Ah, pas mal. Ça, c'est nouveau, ça, je ne connaissais pas. Bientôt vous pouvez, utiliser une chose, une astuce, et vous pouvez publier dans ce registre-là des annonces avant d'avoir le certificat énergétique qui s'appelle un PEB en Belgique et un DPE en France. Oui. Vous n'avez pas le droit de publier une annonce sur des sites d'annonces si vous n'avez pas le DPE. Vous avez le droit de mettre sur Facebook, vous allez bientôt mettre en vente cette maison. Ah, si on ne l'a pas, on peut le faire quand même sur Facebook. Parce que c'est pas là, on met bientôt en vente, on ne met même pas le prix. On dit voilà, vous avez bientôt cette maison. Génial. C'est une pré-vente, c'est une sans prix, juste une photo, un teasing sur un lien sur Facebook, c'est très clair. C'est comme un save the date avant un mariage. Ah, c'est bien ça. Pas l'invitation, c'est le save the date. Gardez votre date et puis on vous donne l'invitation plus tard. C'est un teaser, voilà, un teaser sur Facebook. Et puis sur Facebook, vous avez deux façons que vos annonces soient remarquées, c'est que soit elles sont en vidéo, soit qu'elles soient en 360 degrés. Voilà. C'est tout simple. Mettez sur Facebook, quand vous mettez une annonce, soit une vidéo, soit en 360 degrés, et ça va booster complètement le nombre de vues et le nombre de partages de votre post. Voilà. Et puis, vous avez un outil magnifique sur Facebook qui s'appelle le boost payant, qu'on peut cibler en termes d'âge de votre cible et en termes de géographie. Et donc, c'est génial. On va pouvoir dire, je veux toucher les plus de 30 ans et les moins de 60 ans ou les moins de 70 ans, ça dépend de ma cible, hein, peu importe, et autour de 5 km autour de ma maison, 10 km autour. Et ça va toucher peut-être une population de 5 000 personnes, 10 000 personnes, 20 000 personnes. Donc, c'est juste génial. C'est un outil, mais hyper adapté à l'immobilier parce que c'est local. Donc, cible géographiquement, c'est un super outil. Et on va jouer avec Facebook avec juste peut-être 10 euros. On pourra mettre juste 10 euros. C'est pas cher, voilà. Pas énorme. Non, et on met 10 euros. Par jour, hein, faut quand même le dire, c'est 5 euros, 10 euros par jour. Voilà. Ouais, mais une fois, non, mais un jour ou deux. On va mettre 10 euros pendant 2 jours, 20 euros. On va mettre pendant 48 heures, 20 euros, et ça suffira pour qu'on ait déjà un impact sur 500 personnes, 1000 personnes, 1500 personnes. Bon. C'est un coût variable. C'est un coût variable, c'est-à-dire qu'on décide de mettre de l'argent quand on a envie d'en mettre, et on peut arrêter ce budget quand on veut. Sur une durée limitée, très clair. On n'est pas engagé mensuellement sur des tests. On s'amuse, on peut mettre un coup 10 euros, un coup 20 euros, un coup 5 euros, un coup 15 euros. C'est clair. Le pub Facebook. Et ça a un énorme, énorme effet. Alors, c'est comme pour les flyers. Quand vous faites vos posts Facebook, soignez le design de vos posts Facebook. Faites des beaux posts, des posts visuels. Et pour vous aider à faire des posts visuels, vous avez un outil qui s'appelle Canva, canva.com. Et là, ça vous aide vraiment à faire des beaux visuels, avec un peu de texte, avec des photos, plusieurs images, des petits montages photos. C'est un super outil. Il y a une version gratuite, il y a une version premium. Ça, c'est gratuit, c'est ça? Il y a une version gratuite et puis il y a une version premium. Donc, il y a la version gratuite. C'est gratuit, on peut récupérer des belles images, des beaux combats. Voilà. On peut même créer des images dynamiques, on peut créer des images GIF, dynamiques, enfin, on peut faire plein de trucs. C'est vraiment un bon outil de mise en page de vos posts et c'est important la mise en page de vos posts parce que des beaux posts, eh ben, ça donne plus envie que des posts juste vite fait. Donc, soignez vos posts Facebook au niveau du design et Canva peut vous aider grandement à ça. Très clair. Alors, Google My Business, le point numéro 7, ça c'est un super outil. Google My Business. C'est... Alors, qui est peu connu, je crois. Moi, j'ai l'impression que c'est peu connu. Moi, c'est mon avis sur la question. Ouais. Parce que, tout à fait, Thibault, c'est peu connu parce que c'est relativement récent. Oui. C'est beaucoup plus récent que Facebook, par exemple. Oui. C'est beaucoup plus récent que YouTube. Oui. C'est plus récent que Google lui-même. Et avant, on s'appelait My Business, ça s'appelait Google Plus. Ok. Ça s'appelait Google Plus. Et Google Plus, c'était en fait une initiative de Google pour concurrencer Facebook. Google s'est dit, tiens, Facebook, ils font un truc bien, on va faire la même chose, on va l'appeler Google Plus. Donc Google a voulu concurrencer Facebook en frontal et a fait Google Plus, réseau social de Google. Ils n'ont pas réussi par rapport à Facebook. Et ils se sont dit, bon, en fait, on va le faire un peu autrement, on va faire un Google, on va faire un Facebook Pro, quoi. On va faire un Facebook Pro, Facebook Business. Et ils ont fait ça Google My Business. En fait, c'est comme si ils avaient fait un Facebook Business. Ok. Donc, vous avez pris Google My Business, ça a été créé il y a en gros, je crois, 3 ans ou 3 ans et demi. Ou 4 ans peut-être, c'est pas très vieux. Donc, c'est relativement récent, c'est pour ça que c'est encore peu connu. Ah, oh, on t'entend bien la marque, là. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pris des vitamines ou... On t'entend bien. Ouais. C'est bien, là. On est parti, là. Ça va nous réveiller pour la fin. Il reste 20 minutes, là, à fond. Non, voilà.
On va pas se prendre. Alors, avec Google My Business, vous avez une application, ils ont sorti une application My Business qu'on trouve qu'on peut mettre sur son téléphone portable. Ouais. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre sur votre téléphone portable l'application qui s'appelle Google My Business. Elle est gratuite en plus. Donc c'est gratuit, une application gratuite. Si vous ne l'avez pas encore, vous avez appris aujourd'hui Installé. une application gratuite Google My Business. Cette application gratuite va me permettre notamment de solliciter des avis après chaque visite acquéreur. Je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir vendu une maison pour demander un avis client. Je vais demander à chaque visiteur s'il est content de ma visite, de la prestation, du moment qu'on a passé ensemble. On va passer 20 minutes ensemble, je vais lui demander son avis. Est-ce que vous pensez qu'on a fait une bonne visite, que j'étais compétent, sympathique, expert de mon métier, et je peux demander un avis client. Et sur Google My Business, ce qui compte, ce n'est pas la note que vous avez, c'est le nombre d'avis qui compte. Seul le nombre d'avis compte et le taux de réponse aux avis compte. Donc il faut en avoir un maximum. Regardez ici, un des meilleurs scores de France, de Cordier Immobilier, une agence que je suis depuis 3 ans, il a 284 avis Google, 4,9. Sa qualité d'agent immobilier est incontestable. Incontestable. Parce que ce n'est pas lui qui dit, ce n'est pas Didier, ce n'est pas Didier, c'est pas Didier qui dit qu'il est bon. C'est 284 clients avec le cachet de Google. C'est colossal. C'est incontestable. Voilà. Les avis Google peuvent être des faux avis. On peut avoir quelqu'un qui n'est pas client de l'agence qui met un avis Google sur vous. Ça peut être négatif, ça peut être positif. On peut avoir votre cousin qui met un avis Google sur votre agence, il n'a jamais travaillé avec vous. Mais malgré tout ça, les gens croient ce que dit Google. Google, c'est quand même un peu le dieu de l'Internet. Et donc, tout ce que dit Google, les gens le croient sans discuter. Donc, on ne discute pas Google. On ne peut pas discuter avec Google. Donc, Google, si Google me dit Didier Cordier, c'est la meilleure agence des clients, ben, je prends Google et je vais chez Cordier. C'est quand même simple. Oui. Et Google My Business, c'est quelque chose de très puissant parce que Google est en train de collecter des avis clients sur toutes les entreprises de France, tous les artisans, toutes les boutiques de France, tous les restaurants de France, tous les hôtels de France. Et ce sera le nouvel annuaire des sociétés françaises ou belges ou mondiales. Et Google fait un classement. Et donc, Google fait un classement des professionnels. Et si vous êtes numéro 1 chez Google, ben vous êtes au top. Si vous êtes numéro 2, c'est un peu moins bien. Numéro 3, puis numéro 15, vous pouvez oublier, quoi. Vous êtes nulle part. Et il y a encore des places à prendre, j'ai l'impression, sur Google My Business, parce que c'est encore relativement récent, comme on le disait, peu utilisé. Donc certains sont, bah, ils y sont allés complètement, et aujourd'hui ils ont du résultat. Moi, je sais que j'ai rencontré des agences qui font partie du réseau de ton réseau, Marc, qui ont réussi entre autres grâce à ça. Et c'est vrai qu'il y a de la place, hein. Il y a encore la place, donc c'est l'occasion de le faire maintenant. Très vite, ça peut aller vraiment très vite. J'avais lancé un concours au sein de Property Partners, j'ai lancé un concours, le premier agence qui avait 75 avis Google. Oui. Il y en a un, c'est trop vite, j'avais lancé sur 3 mois. Il y en a un qui a gagné le concours au bout de 15 jours. En 15 jours, il avait 75 avis Google. Parce que mobilisation de l'équipe, ils étaient 6 dans l'équipe, dans l'agence, tout le monde s'est mis à chercher de l'avis Google. C'était 75 avis Google en 15 jours. Mon concours a été un peu écourté parce que je pensais que ça allait durer l'animation pendant 2 mois, 3 mois. Au bout de 15 jours, c'était plié. Le gagnant était déjà gagnant. Oui, et puis surtout ce que tu peux dire, c'est que ça a fait vraiment la différence. Ces 75 avis, ça fait la différence avec Énorme les différence. grands. Et c'est gratuit. Donc on a un outil gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc C'est incroyable. soyons intelligents, utilisons cet outil gratuit, 100% gratuit aujourd'hui, qui va le rester. Pour avoir une super visibilité sur Google My Business et donc sur Google tout court, parce qu'en fait Google My Business c'est Google. La visibilité digitale de la France, elle passe par Google My Business, très clairement. C'est du référencement local. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que Google donne à chaque question d'un autre que trois prestataires. Il n'y a que trois réponses de Google sur la carte My Business à chaque requête locale. Que Il n'y en a que trois trois. réponses. Donc ça, soit dans le tiercé gagnant, soit vous êtes nulle part. Voilà, c'est simple, il n'y a que trois places par ville. Dans chaque code postal, dans chaque ville, il n'y a que trois places à prendre chez Google. Une, deux ou trois. Ensuite, ça s'essaye pas. Il n'y a pas quatrième Il y place. avait une des trois choses à retenir de la journée, c'est Google My Business. On est d'accord, Ouais, Marc? ça, on est d'accord. Claire, on a noté Google, il en reste deux. Allez, on continue. Alors, référencement Google. Je vais vous donner quelques astuces pour le référencement Google de votre site. Il existe déjà des sociétés qui peuvent vous accompagner. Donc, c'est un métier. Il faut savoir que c'est un métier, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, et c'est un vrai métier, et ça change tellement souvent que bon, c'est difficile d'être un expert du référencement naturel, donc il y a des gens qui le font pour vous. Maintenant, quelques astuces pour vous aider que vous pouvez utiliser concrètement vous-même. URL sécurisée, des visites virtuelles sur votre site internet. Le fait de mettre des visites virtuelles augmente la durée de votre site et ça augmente votre référencement naturellement. D'accord, c'est immédiat.
Même chose sur la vidéo. Le fait de mettre des vidéos sur votre site, ça augmente votre temps de visite et donc ça augmente votre référencement. Avoir un site rapide, j'ai dit tout à l'heure, avoir un site rapide, c'est colossal. C'est super important pour Google de que votre site soit super rapide. Donc, ça dépend de votre prestataire. Et puis, vous pouvez suivre tout ça avec une application gratuite qui s'appelle Google Analytics. Donc, vous avez un outil gratuit de Google, s'appelle les statistiques Google, s'appelle Google Analytics. C'est 100% gratuit. Ça permet de savoir si votre site il fonctionne, s'il est rapide ou pas, s'il est vu ou pas. Ça permet de comprendre ce qui se passe et donc de voir si votre référencement il s'améliore. Et donc, pensez à ça. Ça permet de calculer la durée de vos visites, c'est super important. La durée de moyenne de vos visites, c'est super important. C'est C'est colossal. impressionnant ce que peut faire Google Analytics, effectivement. Chez Vitrine Média, c'est extraordinaire. Regardez, j'étais tout à l'heure avec Le Bon Coin. J'étais en réunion avec Le Bon Coin tout à l'heure. Le Bon Coin a dépassé leurs concurrents, qui expliquent leur concurrent. Le Bon Coin en France a dépassé Amazon cette année. Et Le Bon Coin, il mesure deux indicateurs, la durée moyenne des visites sur Le Bon Coin et le nombre de visiteurs sur Le Bon Coin. Amazon est à 8 minutes, Le Bon Coin est à 11 minutes. Donc, Le Bon Coin, ils ont 3 minutes de plus en moyenne qu'Amazon sur chaque visite. C'est colossal. C'est colossal. Ils ont plus de visiteurs, mais ils ont plus des visites plus longues. Donc, regardez la visite, la durée de vie, la durée de vos visites. Et ça, pour l'améliorer, c'est les vidéos, la visite virtuelle. C'est colossal. Une Effectivement. visite virtuelle, une annonce, c'est 45 secondes. Une annonce classique, c'est 45 secondes. Une annonce avec visite virtuelle, c'est 2 minutes 45. C'est 3 fois plus long. On passe de 45 secondes à 2 minutes 45 sur la visite virtuelle. C'est 4 fois plus long. Mais c'est-à-dire qu'on a accroché beaucoup plus l'internaute. Les chances qu'il nous appelle derrière sont plus fortes. Les chances qu'il nous envoie un mail sont plus fortes. Et lui, il est content d'avoir une info complète. Donc, ça, c'est les petites astuces. Google Ads. Alors, Google Ads, c'est la vache à lait de Google. Tout le monde connaît, je pense, effectivement, ici dans l'audience, à mon avis, tout le monde connaît. Est-ce que tout le monde utilise? C'est ça la question? Oui, certainement. Je ne suis pas sûr, Thibault. Non, non, je D'accord. doute quand même que tout le monde l'utilise. Ça m'étonnerait beaucoup que tout le monde l'utilise. Parce que Google Ads, c'est un outil qui est vieux. C'est aussi vieux que Google. Et c'est vécu comme quelque chose de très cher. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est trop cher. On peut demander à qui utilise, mais beaucoup d'agents anglais pensent. Il y a des noms, il y a beaucoup de noms, ouais, plus que je Voilà. ne pensais. Ah, tiens, Serge connaît qui. Oui, bon. Donc, alors, comment ça marche Google Ads? Quelles sont les petites règles du jeu de Google Ads? Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun frais de mise en place. Il n'y a aucun frais d'abonnement. Ça, c'est génial. On ne paye rien au départ et on ne paye pas d'abonnement. Il y a zéro engagement. Et on va payer à Google que les clics qui sont des visiteurs qui viennent chez nous depuis Google. Donc, on ne fac ne nous sont facturés que les visiteurs qui viennent sur notre site. Donc, on paye que du concret, quoi. On fait une pub, il y a zéro visiteur qui viennent, on paye zéro. On fait une pub qui attire 10 personnes, on va payer 10 fois le clic. C'est très souple parce qu'on va pouvoir mettre en pause à tout moment. On va pouvoir régler son budget à tout moment. On peut se dire, tiens, ce mois-ci, je mets 100 euros, mois prochain, je mets 200. Je descends à 50, je mets 300, on fait ce qu'on veut avec le budget, on arrête quand on veut. Les thèmes à travailler avec Google Ads qui vont être rentables sont les thèmes, il n'y en a que deux rentables. Agence immobilière et estimation immobilière. Il n'y en a que deux thèmes qui sont rentables sur Google. En tant qu'agent immobilier, bien sûr. C'est les deux thèmes qui touchent les vendeurs. Google Ads est un outil pour capter l'attention des vendeurs sur votre secteur. Achetez comme mot-clé agence immobilière à Annecy, si vous êtes à Annecy. Agence immobilière à Limoges, c'est à Limoges. Ça que vous voulez acheter. Que si quelqu'un tape agence immobilière à Limoges, il y a des fortes chances qu'il soit vendeur et non pas acheteur. S'il était acheteur, il aurait tapé maison avec deux chambres à Limoges. Ou Oui. appartement avec terrasse à Limoges. S'il tape agence, il veut une agence pour. Il veut un service d'agence immobilière, donc il est vendeur. Donc agence immobilière, c'est le mot-clé le plus intéressant en tant qu'agent immobilier. Et ensuite, qu'est-ce qui fait la différence entre les bonnes campagnes et les mauvaises campagnes? Bah, c'est ce qu'on appelle la landing page, la page d'atterrissage. Et pour qu'une landing page soit fonctionnelle, il faut qu'il y ait une vidéo qui donne le message sur votre agence en vidéo. C'est tout simple. La clé de la landing page, c'est la vidéo. Donc, vous voulez avoir une vidéo qui dit qui vous êtes en moins de 2 minutes. Et là, les gens disent, bon, Bon, ok. là, il faut faire appel à un professionnel, on est d'accord. Il faut un professionnel qui vienne faire une vidéo, effectivement, de l'agence. Ok, clair. Et on fait chez Vitrine Média. Donc pensez à ça, Google Ads, ça peut être un super outil. Alors ce qui est bien avec Google Ads, c'est qu'on l'utilise quand on veut. Donc par exemple, on peut très bien se dire, au mois de décembre, tiens, le portefeuille est descendu, j'ai tout vendu, j'ai plus de portefeuille, mon portefeuille est quasiment à moitié vide,
Il faut absolument que je trouve des vendeurs. Mettons en place une campagne ponctuelle au mois de décembre sur Google Ads. On se met une campagne Google Ads au mois de décembre parce qu'on a besoin de bien en portefeuille. Et puis, on peut être au contraire au mois de mars avec plein d'annonces, plein de portefeuilles remplis. On cherche des acheteurs, ben on coupe la campagne, on dit, ben, les vendeurs, on est au maximum, on est au taquet, on a déjà 50 annonces, ici on les vend. Donc on met en pause la campagne Ads. Donc elle s'adapte à vos besoins. Ça, c'est génial. Et c'est automatique, c'est instantané. Quand on démarre une campagne Google Ads, elle commence dans l'heure qui suit. Hein. C'est très très rapide. Donc on peut très bien dire, OK, je commence ce soir, je commence demain matin à 8 h. Ça démarrera à 8 h. Avec la puissance de Google, et puis on arrêtera dans une semaine si on a assez de contacts dans une semaine. Donc super souple, super outil. Mais pensez à ça, bien cibler les mots-clés et bien avoir une bonne landing page qui fait que quand on arrive dessus, on a envie de vous contacter, de vous appeler, quoi. Très clair. Alors les vidéos, bah, les vidéos à la chaîne YouTube, ça c'est le sujet. Je pense que c'est la deuxième clé qu'il faut retenir aujourd'hui, Thibaut, c'est la vidéo et YouTube. Oui. Et YouTube, effectivement. Est-ce que beaucoup d'agences utilisent YouTube aujourd'hui? Enfin, on en a parlé avant de se retrouver. Est-ce que beaucoup d'entre vous utilisent YouTube? Voilà. Je pense que peu d'entre vous utilisent YouTube, effectivement. C'est ce que j'ai intuitivement en tête. Oui. Bon, alors, il y a encore du chemin, il y a encore des choses à faire, tant mieux. Oui, il y en a qui font quand même. Ah non, non, il y a des oui quand même. Hein. Non, non, quand même. Bon, c'est 50-50, on va Ouais, voir. voilà. Moi, 50-50, apparemment. Là. 50-50, mais donc ça veut dire qu'il y a encore du potentiel sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec YouTube? Il y a du potentiel. Alors, YouTube, déjà, n'oublions pas une chose, c'est un site gratuit. On diffuse gratuitement. C'est vrai. Et n'oublions pas une chose, Thibaut, c'est que les sites internet d'annonces immobilières sont de plus en plus chers. Ils augmentent leur tarif chaque année. Et donc, on arrive à des montants. On était à 500 euros, on passe à 700 euros, on passe à 800 euros par mois, on passe à 1000 euros par mois. Et donc, ça devient à un moment donné insupportable. Et on a un site internet sur lequel on peut mettre des annonces en vidéo, c'est pas YouTube. Il est 100% gratuit. Alors, c'est quand même un truc magnifique, quoi. Un site sur lequel on peut mettre une annonce de vente, ce qui est gratuit. Pour être apprécié. Ensuite, YouTube, ce que peu de gens ont en tête, c'est que c'est le deuxième moteur de recherche du monde. YouTube, après Google. Deuxième de moteur de recherche du monde, c'est un truc énorme. C'est directement relié, hein. C'est la même Ouais. société. Mais c'est le deuxième moteur de recherche du monde. C'est-à-dire que c'est relié, mais ça veut dire que les gens vont sur YouTube et tapent dans YouTube ce qu'ils cherchent. Oui. Pour savoir comment je change une porte de machin, comment je peux trouver ça. Ils posent leurs questions à YouTube. Ils aiment bien regarder les tutoriels. Les gens, ils aiment bien regarder les tutoriels sur YouTube, donc ils posent des questions à YouTube. Tiens. Alors, la vidéo, c'est utile pour Facebook aussi et pour le référencement. Et puis la vidéo, c'est utile pour la prise de mandat parce que les propriétaires apprécient qu'on fasse une vidéo de leur maison, de leur appartement à vendre. Oui. C'est aussi un service qu'on vend aux propriétaires et qu'on utilise en mandat. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est réalisable en moins de 10 minutes, en moins de 15 minutes, allez, facilement, avec des logiciels de montage vidéo, ModelView ou autre, et avec son téléphone portable, son smartphone. Vous avez des smartphones nouvelle génération qui ont des caméras vidéo de super qualité. De super qualité. Prenez la caméra vidéo d'un iPhone 11 ou 12, mais c'est un truc de fou. Ça fait des vidéos, waouh! On va mettre au cinéma. Donc, on a tous dans notre poche une super caméra vidéo. Il faut juste quelques petits accessoires et après, il faut juste un petit peu de montage. Ça peut aller très très vite. Effectivement, il y a une réticence aujourd'hui à faire des vidéos. Peut-être, on a l'impression qu'on ne va pas réussir à en faire des bonnes, peut-être, ou je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas commun. Voilà. Et effectivement, il y a des outils aujourd'hui, dont ModelView ici qui est cité, mais il y en a d'autres, hein, qui fonctionnent très bien et qui permettent de faire ces vidéos pour valoriser le bien, effectivement. Alors, je pense qu'il y a un piège qui est en même temps quelque chose qui fait peur, c'est de vouloir faire des vidéos trop compliquées et trop longues. Si on cherche à faire des vidéos trop compliquées, on se dit bah, ça va me prendre des heures et des heures. En plus, les gens vont pas les regarder. Mon conseil en vidéo, faites simple et court. Faites des vidéos de 45 secondes, même de 35 secondes, même de 50 secondes. Des vidéos super courtes. Et puis dans vos vidéos, mettez des photos, vous avez le droit de mettre des photos dans la vidéo. Donc, vous avez le droit de faire un montage vidéo qui inclut aussi des photos. Donc mettez 2-3 scènes filmées, puis 4-5 photos, et le tour est joué. Ce qu'on cherche à faire en vidéo, c'est faire des teasers. Oui. C'est faire des bandes-annonces comme les bandes-annonces de films. Filmez le film en 1 minute et mettre les 5 meilleures scènes du film. Et après, vous avez envie de voir le film entier. Le film, c'est la visite. La vidéo, c'est le teaser. La bande-annonce. Voilà. Donc ce n'est pas un film, hein, c'est juste un teaser. Ça va super cool. C'est une série 30 secondes, 35 secondes, 40 secondes. Donc, stabilisateur vidéo, le stabilisateur que vous avez ici sur l'image, c'est un stabilisateur DJI Osmo Mobile 3, ça coûte 109 euros. Donc, vous voyez, 109 C'est euros. raisonnable, c'est très raisonnable. Super raisonnable.
Le téléphone, c'est votre téléphone, vous l'avez déjà. Et donc, on va pouvoir faire quelque chose de très simple. Alors, je vous invite à regarder deux exemples de chaînes YouTube, deux agences qui font la vidéo sur tous leurs dossiers. Agence du Parc à Annecy, Alpes-Ventes, dans les Alpes, ces deux agences font des vidéos sur tous leurs mandats. 100% de leurs mandats sont en vidéo. Elles le font, vous pouvez le faire. Elles l'ont mis en place cette année. Une fois qu'on est rodé, voilà. Je pense que Thibault, ce qu'on peut dire, c'est que la première vidéo va être douloureuse et longue, va prendre 2 heures. Oui. La deuxième va prendre 1 heure. Oui. La troisième va prendre 45 minutes. Mais il faut se faire mal. Il faut s'obliger un peu. C'est 2021 quand même, ou presque. En tout cas, c'est l'occasion. On doit faire des vidéos maintenant. Même si la première n'est pas bonne, c'est pas grave. On se lance, on en fait. C'est ce qu'on peut regarder en tant que client des vidéos. On est souvent déçu. Moi, je me balade sur les sites tous les week-ends pour voir des biens immobiliers. C'est vrai que je suis souvent un peu frustré. J'ai une photo, deux photos. J'aurais voulu voir une 360. J'aurais voulu voir une vidéo pour en savoir plus. Même si la vidéo finalement n'est pas très bonne, au moins j'aurais été pas frustré, je ne suis pas frustré et j'en sais davantage. Donc c'est vraiment important d'en faire. Il ne faut pas avoir cette crainte finalement, cette crainte, et ce qui fait qu'on ne fait pas, et c'est une erreur fondamentale à mon avis pour le développement de son agence. Parce que la seule façon de devenir vidéo, c'est d'abord d'être débutant en vidéo, puis d'être un peu plus expert, puis après vous demandez, bon, Ah oui, la il seule faut commencer façon quelque de part. commencer, quoi. Il faut commencer. Donc comment on commence? On va faire une vidéo qui sera peut-être avec des petits ratés, mais c'est pas grave, et puis on en fera une autre qui sera mieux. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, si une fille comme Caroline, elle peut, qui est Caroline, super, effectivement, l'agence du parc, c'est Caroline. Caroline, elle fait des bonnes vidéos, parce qu'elle a travaillé les vidéos, elle en a fait une dizaine, une vingtaine, une trentaine, et puis petit à petit, elle a affiné sa technique de vidéo, ça s'est accéléré, elle a fait des trucs un peu plus sympas, voilà. Ça Alors, on a s'apprend. une question sur le chat, Marc. Vous conseillez de conserver les vidéos une fois le bien vendu ou plutôt les supprimer? Oh là là, très très bonne question. Et bien sûr, je les garde parce que c'est du référencement. C'est du référencement. Une petite anecdote, Caroline, que vous voyez ici, agence du parc à Annecy, elle a eu un appel il y a cette année d'un client qui a vu une vidéo qu'elle a postée il y a un an. Mais la vidéo par concernait un appartement de la même résidence que ce client-là. Eh oui, Et donc, elle incroyable. a un mandat. Un an après la vente de la première vidéo. Donc oui, on laisse les vidéos sur YouTube, évidemment, ça fait du référencement. Alors, donc je le dis, faites simple. Faites simple. Et aussi pensez à avoir une vidéo qui présente votre agence. Une vidéo, présentez vos biens, mais aussi présentez votre agence. Pensez aussi à avoir une vidéo qui présente votre service, votre agence, votre équipe, vos actions, vos prestations. Alors, on a. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec WhatsApp? WhatsApp. Donc, je pense, est-ce que tout le monde a WhatsApp déjà? Est-ce que tout le monde utilise WhatsApp? Je pense Est-ce que que tout tout le le monde monde utilise utilise WhatsApp aujourd'hui? Oui, là, bon, voilà. WhatsApp. Bon, ça va, tout le monde utilise WhatsApp. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous avez utilisé WhatsApp Business? Ah non, moi je connais pas. Qu'est-ce que c'est que WhatsApp Business? Dis-moi, j'adore WhatsApp, moi. Je suis un. Business WhatsApp, voilà. Donc, il y a un B quand on est, il y a un B, il y a un B, il y a un gros B au milieu du WhatsApp. Ça se télécharge, c'est ça? Je connaissais pas. Ouais, ça télécharge et ça remplace le WhatsApp. En fait, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc, sur My Business, on n'aura plus la version commune, quoi, la version basique, d'accord? Mais ça se remplace et on va garder son historique. Donc, on va transférer tous ses contacts, tous ses historiques, toutes ses conversations dans Business. Et dans Business, on a une fonctionnalité qui s'appelle outils professionnels. Bah, comme son nom l'indique, il y en a dans l'outil professionnel, il y a une fonctionnalité qui s'appelle catalogue. Et ça me permet de créer des annonces WhatsApp. Et pour faire ça, il faut la version Business. Elle est gratuite, hein, elle est gratuite comme la première. Elle ressemble vraiment en tout point à la version habituelle. Sauf que là, en plus, l'outil professionnel et en plus l'outil catalogue et l'outil donc publication d'annonces sur WhatsApp. Donc c'est quoi? C'est un réseau social? C'est comme Facebook? Non, c'est un outil c'est une messagerie instantanée. Ça me permet, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours bien de se démarquer, de faire les choses pas comme les autres. Et donc, si j'ai une nouvelle annonce et je peux envoyer non pas un email, non pas un SMS, mais une annonce WhatsApp à des acheteurs actifs sur ma zone de chalandise avec une maison qui peut les intéresser, ben c'est top parce que là, je touche dans le mille. Parce que WhatsApp, contrairement à l'email, est lu à 100%. On n'a aucun WhatsApp qui passe à la trappe. On n'a pas C'est de vrai. spam. Donc, si j'envoie un email à 10 acheteurs potentiels, il y en a 8 qui vont le mettre à la poubelle et un qui vont, deux qui vont le regarder. Si on envoie le WhatsApp à 10 clients potentiels, il y a 10 qui vont le revoir. On a un taux de lecture de 100%, on a zéro perte. Donc, WhatsApp est mieux que les emails quand on peut faire WhatsApp. C'est beaucoup mieux que les emails parce qu'il y a zéro déchet, il y a zéro Donc spam. j'essaie de comprendre, c'est un WhatsApp professionnel qu'on télécharge, je veux envoyer des annonces, mais sur le WhatsApp non pas professionnel, mais le WhatsApp standard au client, c'est ça? Ici, on va pouvoir envoyer des annonces clients qui sont dans notre base de contact, dans notre OK. carnet, dans notre réseau, quoi. Mais si donc dès que je fais une visite, si dès que je fais une visite, j'encode le portable de mes acquéreurs potentiels dans mon portable,
Ben ensuite, si je sais que j'ai quelques, j'ai par exemple, j'ai 5-6 acheteurs très actifs, et ben je leur fais une petite annonce WhatsApp, je dis, voilà, regardez, on vient de sortir ça, ben c'est super sympa. Puis je me démarque, ils vont dire, tiens, c'est nouveau, c'est original, voilà, je gagne des points, je ne suis pas comme les autres. Donc, ça peut être utile pour faire, c'est une nouvelle Ouais, formule. parmi les premiers, très clair. 12, on arrive à la fin. Pour conclure, donc pour le deuxième point, ben, je vous ai mis rapidement un petit rappel. On a aussi LinkedIn, qui est un réseau social professionnel très utile, Oui. notamment pour le recrutement de collaborateurs et notamment pour aussi garder contact des anciens clients. Oui. On a Instagram qui touche un public plus jeune que Facebook, et donc intéressant peut-être surtout pour la location, puisqu'on touche les jeunes avec Instagram. Et puis on a aussi les newsletters, qui sont un outil qui est très vieux, mais qui fonctionne encore, où on peut garder contact avec tous nos anciens clients et faire une newsletter, par exemple, tous les mois, avec des conseils, avec de l'actualité de l'agence, avec voilà, des choses sympas. Donc ça peut être un super outil, la newsletter également. Les avantages de ces outils, ben, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'abonnement. Sur beaucoup de ces outils, il n'y a pas d'abonnement. Ou même, ils sont gratuits. WhatsApp, c'est gratuit. Instagram, c'est gratuit. YouTube, c'est gratuit. Facebook, c'est gratuit. LinkedIn, elles sont gratuites. Donc, en fait, on a plein d'outils qui sont gratuits Oui. ou qui coûtent finalement que quand on en a besoin. Donc, on n'a vraiment pas d'abonnement. C'est quand même génial. Et le top 3 de nos outils, selon moi, ce qui est 18h01, Alors, le plus important, ce à quoi serait retenir de ce webinaire? les trois points que je retiendrai, c'est faire des photos pro et retoucher, faire de la vidéo sur tous les dossiers et avoir des avis Google autant qu'on peut, autant que possible, tous les jours avoir des avis Google. Donc, on va le répéter, des photos de qualité. Effectivement, toute la première partie où on a présenté les simulations, enfin la Ouais. virtualisation des photos, où on améliore la qualité des photos au travers de. C'était Box Brownie, si je me souviens bien. Hein. Ça, c'est Bon. à retenir. Donc, de la qualité de photos retouchées, retravaillées, simulées, virtualisées. De la vidéo, créer de la vidéo, parce que c'est aujourd'hui ce qui se fait sur le web et ce qui permet aux clients de rester plus longtemps sur votre site. Donc, ça, c'est important, en tout cas, sur vos services et sur votre site agence. Et Google My Business, c'est ça, les avis Google My Business, c'est ça qu'on vous Google My Business, ça c'est un point clé fondamental et gratuit. Et gratuit. Alors, tous les avis sont importants, il y a d'autres sociétés encore une fois. Mais voilà, donc des avis clients, des vidéos et des photos retouchées. Finalement, c'est les basiques. C'est les basiques. Bah, Hein? ils n'ont pas changé, mais on l'a vu aujourd'hui, Thibault, on a encore des agences qui n'ont pas de chaîne YouTube, qui font très peu de vidéos, on a des agences qui n'ont pas encore bien travaillé leurs avis Google, alors que c'est gratuit, et c'est un complément. Donc par exemple, si j'ai Opinion Système, ou meilleur agent, eh ben je vais quand même, il faut quand même que je travaille Google en parallèle. Je peux pas aller Oui, sur Google d'un bien côté. sûr, bien sûr. Pas les deux. Enfin, les deux. Et voilà. Et puis la photo, c'est bien. La photo retouchée, c'est encore mieux. Voilà. Aujourd'hui, on a une ère de la photo retouchée. Voilà. C'est comme ça. J'y peux rien. Les photos retouchées sont beaucoup plus sexy que les photos basiques, nues. Ben, mettons les photos retouchées. Voilà. Ça vend beaucoup plus. Ça vend, C'est voilà. vrai, mais on en voit très peu. On en voit encore très peu. J'en ai vu effectivement chez Stéphane Arcachon. Voilà, il travaille déjà sur ces outils-là et c'était agréable à voir. Et ça permet de visualiser, en tout cas, d'aller plus loin dans la découverte du produit. Il y avait un frein jusqu'en avril 2020, c'est que le site Box Brownie était disponible qu'en anglais. Et donc, il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas à l'aise avec l'anglais, et donc ils disaient, bon là, je n'ai pas commencé à commander des trucs anglophones. Mais Box Brownie est disponible en français depuis avril 2020. Donc maintenant, on peut commander en français, avoir le site en français, avoir des échanges en français. Donc, plus d'excuses, Marc, plus d'excuses, Voilà. effectivement, pour passer, pour devenir full digital, c'est être 2 fois plus visible en 2021. Donc, c'est de la vidéo, des avis Google, Google My Business et des photos pro retouchées, retravaillées, virtualisées. On fera un numéro 2 parce que c'est très riche. Il y avait beaucoup de choses, Marc. Il y avait beaucoup de choses sur ces 12 conseils. Je pense qu'on pourra passer un peu de temps sur chacun d'entre eux. Moi, j'étais ravi d'être là avec tout le monde. On a passé 1 heure ensemble. Marc, on tient l'heure, hein, on a tenu 1 heure. Moi, je pense qu'on a appris plein de choses. Il y aura un replay, donc, parce que je pense que ça vaut le coup de réécouter. Et encore une fois, il y aura un deuxième épisode qui reviendra sur tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc, merci Marc pour tous ces conseils. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. On en fera un sequel donc, sur ce rendez-vous d'aujourd'hui, parce qu'encore une fois, beaucoup de choses à voir. Il y a un rendez-vous la semaine prochaine, certainement sur les super vendeurs. C'est comment devenir ou comment rester ou être encore meilleur vendeur. Ça sera la semaine prochaine avec des invités que je ne dévoile pas aujourd'hui, c'est la surprise. Donc soyez là la semaine prochaine, 17h, lundi prochain. Merci Marc, c'était super. Dévoilé par votre chat, Thibault, c'était dévoilé sur votre chat, tes invités. Donc, le secret était trahi. Ils ont été dévoilés, mais en tout cas, c'est la semaine prochaine, effectivement, des invités de prestige. Voilà, pour la semaine prochaine, des spécialistes du sujet. La semaine prochaine, 17h, soyez avec nous. Merci Marc, c'était très sympa. Moi, j'ai pris du plaisir à être avec toi. Merci beaucoup.